Voilà madame! Qu'est-ce qu'on fait sur le trottoir là? Eh, vous me posez un lapin là ou quoi là? Hello? Where are you? You're what? Missing it! Get down here right now! Where are you? We're in the tunnel! You have 5 minutes! Get down here right now! Okay. Hurry up! Hop, je prends. Hop là. Putain. Il est dans le coma. Bah tu parles, tu veux que je fasse quoi? Maintenant c'est à celui qui fera la qui fera l'appel le plus rapide. Je vais faire un appel là. Appelez la police s'il vous plaît. Pourquoi enfin, c'est qui répond le plus vite à l'appel? T'as pas eu l'appel? Si, là j'y suis, là je suis arrivé sur place. Monsieur, vous m'entendez? Monsieur? Ah non, non, je croyais que c'était celui-là qui sortait du garage. Mais c'est pas lui. Ah, vous avez eu un problème? Ah, monsieur McAdams! Ouais, dites-moi tout. Ah non, il y a un moteur qui vient juste de sortir de notre garage. Je croyais que c'était celui-là. Hop, monsieur, circulez. D'accord. Bah là, je sais pas, apparemment, il crée un problème de. Qu'est-ce qu'il a eu là? Monsieur, vous nous entendez? Et celui qui est sorti de votre garage, il était comment là? Il était avec un t-shirt blanc et un pantalon noir, je crois. Bah, et c'est pas lui là? Ah non, non, c'est pas lui, non. Il avait pas cette moto là. D'accord. Il avait une carbone RF. Monsieur, est-ce que vous nous entendez? Jean, monsieur le bus, passez par là. Ça va partir en quelques mètres dans le carrefour là. Bon, écoutez, on va essayer de charger la moto déjà. Ok, ça t'en marche. Occupe, sergent. Monsieur, est-ce que vous nous entendez? Comme il n'y a pas de médecin, je vais voir ce que je peux faire pour vous là, monsieur. Vous m'entendez ou pas? Attendez que ça marche. Le même appel, Golf 4. Monsieur, est-ce que vous me recevez? C'est le même appel? Oui. Oui, c'est le même. Oh, bah là. La boucherie. Oh, elle a fait une boucherie. Chauffeur. Monsieur, malheureusement, vous allez devoir être dans le coma et aller à l'hôpital, hein, monsieur. Malheureusement, on peut rien faire pour vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais. Je vous invite donc à penser très 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 fort au X. Vous serez à l'hôpital. Hein. Et là, monsieur. Vous pouvez venir chercher votre véhicule au garage Montanagro, à la société de dépannage. Shit. Ça va-t-il, mon petit Fredo? Il n'y a pas de médecin en ville, monsieur. Bon. Je vais taper mon rapport et frangin et puis on verra pour votre intervention. Okay, okay. C'est vous qui avez fait l'appel? Non, bah c'est lui. Non, c'est pas moi qui a fait l'appel, ça doit être monsieur là qui a dû faire l'appel. Attention à vous, Rames. D'accord. Oula. Ouais, faites attention à vous. Donc je fais le rapport et n'inquiétez pas pour votre intervention, on va prendre en charge. D'accord, ok. Ok, ça marche. Pas merci, de on va essayer de remorquer le véhicule. Ok, ça marche. Merci, ouais. Monsieur McAdam. Merci à vous, Frangin. A plus tard. A plus. Allez, Sergio, faut qu'on charge cette merde. Ah,
Protéger la circulation, calé pour le Montenegro, et voilà, super. C'est bon, on y va, merci beaucoup. Ça marche, pas de soucis, bon courage. C'est quoi lui là? Il roule sur le trottoir là. Oui. C'est un PNJ, ouais, du coup. Voilà, madame! Qu'est-ce qu'on fait sur le trottoir là? Eh, vous me posez un lapin là ou quoi là? Eh, oh, madame, là, je vous ai parlé, là, je vous signale. Madame? Madame, vous m'écoutez ou pas? Non, vous rangez votre téléphone. Vous rangez. Non, c'est pas la peine d'appeler votre mari. Je vous ai vu. Vous avez roulé sur le trottoir. Mais vraiment une blonde, hein. Bon, ok, je suis blonde dans le jeu. Ok, bon, je m'excuse. Mais madame, vous avez bien vu que vous avez conduit sur le trottoir quand même. Et surtout, vous me répondez pas. Hein. Tous en même temps. Bon bah tant pis. Infraction. Voilà. 15 000 $ d'amende. C'est pour elle. On l'a chercher. N'oublie pas de faire ton compte, ton rapport. Oui. Pas de soucis. Non mais c'est le cadet qui va me dire ça, non mais j'y crois pas. Dis donc cadet. Catastrophe, catastrophe. Goffe 4 et ici, Goffe 3. J'écoute. Course poursuite vers les appartements dans le nord. Là on redescend vers le sud, voiture verte. Vu des détails. J'essaie de le retrouver. Pourquoi là j'ai perdu? Quoi, j'étais vers le golf et j'ai perdu de vue. Plus d'infos concernant le véhicule? C'est type sport, voiture verte claire, vert pomme un peu. Parti en quelle direction? Deux heures river. Rue 2h river. Alors monsieur, dites-moi tout. Oui, je suis désolé, c'est Xavier Crash. Pas de problème. Le problème, c'est que je peux pas. En fait, je suis médecin, mais je peux pas prendre un véhicule et me mettre en vêtements. Et ça vous dit quoi quand vous faites la toile ronde? Ils me disent que je suis pas docteur. Et que en fait, je suis docteur. Encore. Je fais remonter l'information au gouvernement, monsieur. D'accord. Je ferai en sorte que vous soyez médecin. D'accord, pas de soucis, monsieur. Du coup, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous voulez que je vous emmène quelque part, hein, monsieur? Non, c'est bon, ça va aller, t'inquiète pas. D'accord, très bien. Alors. Bonne journée, monsieur. Eh ben, je vous prie, passez une bonne soirée, monsieur. Merci, vous aussi. Merci, monsieur. Excusez-moi, je bois un coup. Je mange un morceau. Oh, vous me donnez encore faim, monsieur. Vous avez faim? Non, pas dans le jeu. Vous allez manger des gâteaux encore. Pépito. Pépito. Pépito la con. Pépito. Bon monsieur, passez une bonne soirée alors. Je vous laisse digérer votre gâteau. Oui, y'a pas de soucis. Ça marche. Oui, pas de soucis. Merci.
Ouf. Catastrophe, catastrophe. T'as un mec qui est passé comme une balle. Même pas eu le temps de la suivre, j'ai laissé tomber. C'est même pas la peine que je te lance un appel. Il passe comme une balle, je sais pas où il est parti. Lançage, lançage. Monsieur, arrêtez-vous, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Non! Monsieur, arrêtez-vous. Descendez du véhicule. Je répète, descendez du véhicule, monsieur. C'est vers où? C'est bon, monsieur, c'est sorti. Mais monsieur, mais qu'est-ce qui vous prend de conduire comme ça, monsieur? Je sais pas, monsieur. Vous êtes un gros malade, hein? Je Vous suis ne un peu bougez. malade, oui, comme vous disiez. Ah oui, vous êtes un sacré malade, monsieur, hein. Vous ne bougez pas. Putain, tu sais que t'es gaffe 3? Ne bougez pas, monsieur. D'accord. Aïe, ça fait mal, monsieur, j'ai un peu serré là. Ça fait peur les Golf positions comme ça, 3 monsieur. pour Golf 4, je suis à la rue Jamestown, au nord de la société de cuivre. La quoi, la société? Société de cuivre. Sound muted. Ah oui, mais par contre, vous nous avez bien bloqué là, monsieur. Ah mais là, c'est pas de ma faute, hein. Eh, mais qu'est-ce qui vous prend dans votre tête là de conduire comme ça là? J'ai ma femme qui m'a énervé et je suis Ouais, parti bien sûr. méchamment. Bien sûr, bien sûr. Golf 3 pour Golf 4. Ah bah, vous arrivez. Oh, un autre policier. Bonjour, monsieur le policier. Eh bah. C'est un gros malade, lui, hein. Ah moi il a fait quoi le colis? Oui, votre radio, quelle est? Il a fait quoi? Bah, je sais pas ce qu'il lui a pris dans la, par la tête, là, il a collé comme un gros malade, là, il a grillé un carrefour bien comme il faut. Je vais avec le véhicule blanc? Non, 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 le véhicule noir, là. Ah oui, d'accord, j'ai même pas fait gaffe. Ah oui. Du coup, quel est ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la ouais, plaque de notre équipe. Ramez. Ouais, appelez les dépanneurs. Prenez la plaque, voir si c'est un véhicule volé ou pas, et moi j'emmène cet individu au commissariat. Attends, je te le dis tout de suite, si ça me plaque volé. C'est ça, c'est un véhicule volé et pas enregistré. Ok, ça marche. Vous m'enverrez par SMS la plaque d'immatriculation au Calais. Ok, merci. Ça marche, je l'emmène au comico. Il faudra que je te demande ton numéro, je sais pas si je dois l'avoir. 12, attendez. Si je l'ai, je l'ai, je l'ai. 12-20. Je t'envoie ça par SMS. Vous me tutoyez maintenant, Cadet? Désolé. Très bien, j'emmène la personne. Ok. Monsieur. Oui, monsieur. Vous pouvez m'expliquer un peu là pendant qu'on roule là, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête là? Je répète, c'est que je me suis disputé avec ma femme. Et ça vous donne la Je voulais me raison. tuer. Elle voulait vous tuer? Oui. Non mais Et en plus elle avait, sans mentir, elle avait un fusil à pompe. Alors si elle me tire dessus, je suis mort. Voilà, monsieur. Et je voulais vous appeler. Ah ouais, mais c'est pas comme ça qu'on nous appelle, monsieur. Et c'était comment votre nom, monsieur? Mohamed Kitarchi, monsieur. Monsieur Ketarchi, d'accord. On va en discuter.
Donc Je là, voulais ce me que tuer en même temps, gosse d'elle. ouais, on va en parler, t'inquiétez pas. Je vais vous descendre du véhicule, je vais vous enlever les menottes. D'accord? D'accord. Et par contre, vous allez me suivre. Pas de d'antilupe, hein, vous partez pas en courant ni quoi que ce soit. Parce que si vous partez en courant, je ferai pas de cadeau à monsieur Ketarchi. Aïe, ok. D'accord? D'accord. Allez, suivez-moi, monsieur. Monsieur, venez avec moi. Passez devant, s'il vous plaît. Descendez les escaliers, vous marchez tranquillement. Allez-y, allez-y. Descendez, descendez. Passez la Oh porte. non, pas là. Passez. Allez, Non, pas la descendez. prison. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Et vous prenez la deuxième cellule du milieu J'espère là. qu'on se fait pas. J'espère qu'on se fait pas violer, monsieur, à la Non, prison. non, non, vous inquiétez pas, on n'est pas comme ça nous ici. Donc pour le moment, vous restez dans la cellule. On est bien d'accord. La cellule est fermée à clé. On est bien d'accord, monsieur Ketarchi. Oh oui, d'accord. D'accord. Je vais taper un premier rapport et je reviendrai vers vous. Et vous allez m'expliquer un peu tout ça. D'accord? D'accord. Ok. Et D'accord. reposez, vous avez ce qu'il faut pour manger et boire? Non, mais là, pour le moment, je n'ai pas besoin. Vous êtes sûr, vous avez rien du tout sur vous là? Non. Mais t'inquiète pas, si tout va bien, là, j'ai rien. Ouais, ok. Si jamais il y a quoi que ce soit concernant votre faim et soif, vous m'appelez. Oui. Ok. D'ailleurs, j'ai fait une grosse boulette, je l'ai même pas fouillée avant de le mettre dans la cellule. Ah, c'est une énorme faute. Monsieur, par contre, je vais vous fouiller avant de vous laisser tout seul dans la cellule. Oui, bah fouillez-moi, monsieur. D'accord, vous n'avez pas d'arme. Je peux avoir votre carte d'identité, s'il vous plaît, c'est pour le rapport. Oui. Donc, monsieur Mohamed Kitarchi, vous avez 27 ans et vous êtes médecin. Oui. Ah bien. Là, attendez. C'est que je travaille tout comme tout le monde, hein. Mais évidemment, c'est que j'ai un problème de famille, c'est tout. Et je voulais me tuer. Mais vous avez jamais appelé la police pour en parler et nous prévenir ou quoi que ce soit, parce que du coup ça me paraît un peu vague tout ça, non? Non, j'ai rien dit. J'en ai pas encore parlé. Mais vous Ok. savez, on a des petites disputes de temps en temps comme ça. C'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps, mais bon, c'est pas tout le temps, mais ça m'a l'air d'être assez sérieux votre histoire là. Du coup, on m'avait dit qu'elle sortait son arme, qu'elle avait une arme et tout. Elle a quoi comme arme justement? Un Remington. Un Remington. Oui. D'accord. Et elle a un permis de port d'armes. Je sais pas, j'ai pas demandé. D'accord. Bon, vous bougez pas. Bien entendu, par mesure de sécurité, je vais quand même vous fournir de quoi boire et manger au cas où. D'accord. Et offert par la maison. Merci, monsieur. À tout de suite et je répète, la cellule est fermée à clé. Oui, pas de souci. Alors, monsieur Ketarchi. Oui, monsieur. Alors, je taperai mon rapport un peu plus tard parce qu'on n'a pas forcément bien le temps. Donc, par rapport à l'infraction que vous avez commise. Je mets donc excès de vitesse entre 30 et 40 km/h. Vous êtes d'accord?
D'accord. Donc 90 euros d'amende Je moins 2 roulais points. pas plus que 50, hein, monsieur. Oui, bien sûr, bien sûr. Vu à la vitesse que vous êtes passé sur ma gauche au carrefour, ça m'étonnerait que vous roulez à 50, monsieur. Si, monsieur, excusez-moi. Si, je roulais à Non, 50, non, hein. Ma non. voiture ne peut Oui, pas rouler plus que 50, monsieur. oui. Oui, bien sûr. Vu le modèle du véhicule, ça m'étonnerait que vous rouliez à inférieur à 50 km/h. Monsieur, c'est pourquoi? Monsieur? Ce serait pourquoi, monsieur? Oui, bonsoir. Excusez-moi, j'étais à un appel. Ce serait par Qu'est-ce rapport à qu'ils veulent, l'homme monsieur, qui en est juste face? derrière. On est occupé, nous. Oh C'est un ami à moi et je voudrais payer sa cotisation. De qui vous parlez, monsieur? De l'homme là. Et vous, vous connaissez comment? Vous inquiétez pas, vous lui demanderez, il n'y a pas de problème, monsieur. Hein. Moi, je dis que D'accord. c'est mon ami, je ne dois pas faire non plus un procès, hein, j'ai rien à me reprocher, monsieur. D'accord, mais par contre, là, vous êtes dans une propriété, on va dire privée ici, donc je vous invite à remonter à l'étage, s'il vous plaît. Je... À ce moment-là, si vous voulez D'accord, me voir, mais il faut du aller coup, appeler. dites-lui bien que je paye. D'accord, bah, Oui, vous non, mais je sais, mais vos remontez. collègues sont... Je veux pas le Oui, savoir, je monsieur. sais, je Je veux suis... pas le J'ai savoir, bien je veux pas le compris. savoir. Oui, donc vous, je vous invite à remonter à l'accueil et je D'accord, viendrai mais vous je veux voir. payer, je veux payer. Oui, j'ai bien compris que vous allez D'accord, payer, il parfait. n'y a pas de Mais je veux souci. payer sa caution, Oui, voilà. il n'y a pas de souci, pas de souci. Parfait, merci beaucoup. Merci. Bon, vous connaissez cette personne là? Non, 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 vous restez là déjà, je vous ai pas dit de sortir. Vous la connaissez cette personne? Non. Apparemment, ce serait un ami à vous. Ah bon? Oui. Après, je sais pas, hein, ça se peut que c'est mon collègue ou un truc du genre. Faut que je D'accord. le vois, peut-être, je sais pas. Je vous invite à faire très attention à votre fréquentation, monsieur Ketarchi, parce que maintenant que vous êtes inscrit au registre, vous Aïe, êtes. ça fait mal ça. Oui, ça fait très mal. Vous êtes sous surveillance, on va dire. Donc, au moindre Oula. mauvais pas que vous allez faire, ça va vous coûter très cher, monsieur Ketarchi. Mais là, j'ai rien du tout là. Ici, non, non, vous inquiétez pas. Donc, du coup, je reviens à vos Oh infractions. merde. Attendez, attendez. Donc, du coup, excès de vitesse entre 40 et, entre 30 et 40 km/h, moins 80, enfin 90 euros d'amende, moins 2 points sur votre permis. Donc, vous allez avoir moins 2 points sur votre permis. On est bien d'accord? Et la personne, apparemment, prend en charge vos amendes. Donc, il va payer pour vous 90 euros. D'accord? Bah, faut que je lui dise merci, même si je le connais pas, peut-être, je sais pas, Ouais, voilà. non, mais ensuite, deuxième infraction, conduite dangereuse, vous êtes d'accord? Ah oui, la conduite dangereuse, oui, mais plus de 35 euros. 50 km heure, je sais pas encore. 35 euros. 35 euros d'amende seulement? Ouais, ça, ah, mais je peux rajouter si vous voulez, hein. Non, ça va pas me parler, monsieur. D'accord. Et Non, ensuite, direct. refus d'obtempérer, vous êtes bien d'accord? C'est-à-dire, j'ai pas fait une fuite, hein, monsieur. Ah non, parce que je vous ai demandé d'arrêter, vous avez toujours continué à rouler, j'étais derrière vous avec mes gyrophares, ça vous a pas empêché de vous arrêter. On est bien d'accord. Oui, mais je voulais me garer, c'est pour ça, Oui, bien je voyais sûr, pas bien où je pouvais sûr. me garer, monsieur. Alors, refus d'obtempérer, suspension de permis pendant 3 jours, donc c'est-à-dire que vous n'avez plus le droit de conduire. Oh non, monsieur, vous pouvez pas faire ça, je En peux pas plus, travailler si, sans si, ça. mais justement au garage, vous avez un véhicule sans permis à votre disposition au garage. Donc vous avez qu'à le prendre. Et vous assumez vos actes. Oh non. Donc 500 euros d'amende. Donc toujours votre fameux ami. D'accord? Ah, je vais lui faire de ces trucs à mon ami. Il va Ouais. Mais faites bien kiffer. attention. Je vous dis, faites bien attention parce qu'apparemment vous le connaissez pas. C'est un petit peu louche cette histoire quand même. Et du coup 15 minutes, 15 minutes de prison. Donc alors il est 22h55. La prison commence maintenant. Donc vous ressortirez d'ici à 23h10. On est bien d'accord? Ah! Ouf! 1 heure quand même! Non, non, pas 1 heure. Là, il est 22h55. 15 minutes Ah de oui, tôle. ouais, pardon, oui. 23h10. On est bien d'accord, monsieur Aïe, ça fait Kitarchi? quand même mal derrière. Oui, ça fait très mal En au derrière, attendant oui. les 15 minutes, j'ai une idée, c'est que je vais essayer de manger un gâteau. Oui, bah, mangez un gâteau. Et je vais voir votre fameux ami. Et vous certifiez que vous ne le connaissez pas?
Si, 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 je le Alors, connais, je le connais. il s'appelle comment alors? Ah, ça, je ne veux pas le dire, monsieur. Ah, ça me paraît bien louche, cette histoire. C'est un petit peu secret. Ouais. Je vais aller le voir et je reviendrai vers vous pour votre sortie. Ok. Bien louche tout ça, c'est bien louche, c'est bien louche tout ça. Bien louche tout ça. Catastrophe, catastrophe. Monsieur, excusez-moi. Je m'excuse, mais voilà. Par contre, à l'avenir, monsieur, je vous invite. S'il y a jamais y a personne à l'accueil, je vous invite soit à attendre à l'accueil, soit à nous appeler sur le 911. Mais je vous invite à ne jamais descendre D'accord, c'était au niveau juste des pour cellules. vraiment ça. Oui, parce que je sais que. Ah, je crois que vous avez un petit souci de corde vocale, monsieur. Oui, je dis. Ah, ouais, c'est là vous m'entendez du coup. Ah, oui, là je vous entends. Allez-y. Ok. Juste, je règle un truc sur, mon téléphone. Oui, du coup, monsieur le policier, oui, je le connais, il n'y a pas de problème. Hein, c'est juste, là, il a eu quelques petits soucis d'argent et du coup, je voudrais régler ses soucis en venant l'aider. Bien sûr, il ne recommencera plus ce genre de choses. D'accord, et je lui ai donc prévenu que c'est vous qui allez lui payer ses amendes. C'est bizarre, il vous connaissait pas sur le coup. Ah, c'est. Je pense qu'il est un peu trop picolé, vous voyez. D'accord, et vous savez comment il s'appelle? D'habitude, il conduit pas comme ça et il vole pas de véhicule. D'accord, et vous savez comment il s'appelle? Si je me trompe pas, c'est un médecin. Je le connais que de connaissance. Il m'a fait part de ses problèmes, mais voilà. Ouais, sans plus, vous le connaissez sans plus, quoi, en fait. Bah oui, mais il m'a parlé de ses problèmes et vu que j'ai été assez affecté par ça, j'ai essayé de le raccompagner et il est parti en courant, je sais pas pourquoi. D'accord. Et Et il a vous-même. décidé de voler une voiture et de partir. Ouais, tout à fait. Et vous-même, vous êtes Je monsieur? sais pas, il a dû voir quelqu'un. Non, pas besoin de savoir qui je suis, monsieur. Ah si, Je veux malheureusement, je juste suis payer, obligé hein. pour le Je veux rapport, pas monsieur. qu'on. Je suis obligé pour le rapport, hein, monsieur. Là, je suis vraiment navré, mais je suis obligé d'avoir votre nom. Pour taper dans le rapport, pour montrer que vous êtes la personne qui avait réglé les amendes de cette personne qui est en prison actuellement. Je suis. D'accord, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Du coup, si c'est pour le rapport, je pense que Ah non, c'était vous inquiétez urgent. pas, il n'y aura rien, vous dire, au niveau de casier judiciaire ou autre. Voilà, c'est juste pour préciser dans le rapport que voilà, l'individu a été pris en flagrant délit, tout ce que vous voulez. Et ensuite, l'ami de monsieur, sous le nom que vous allez me donner, a réglé son amende. Voilà, c'est tout, ça restera là, il n'y aura pas de suite pour vous. D'accord. D'accord, oui, je vois, monsieur. C'est juste, en fait, j'ai perdu ma carte d'identité et comment dire, je sais plus où je l'ai mise. Et du coup, D'accord. j'ai fait une dérogation au niveau du gouvernement pour en avoir D'accord. de nouvelles. D'accord. Et voilà, j'ai juste un papier disant, mais je m'appelle Monsieur Ajac. Monsieur Ajax. Oui. D'accord. Vous pouvez me l'écrire, s'il vous plaît? A, J ou G? A, Ah, vous avez un petit souci de corde vocale? D'accord, ok, ça marche. Non, pas du Ok, alors, voilà. donc, monsieur Ajax, donc la personne qui est en bas a été prise en flagrant délit pour excès de vitesse, vol de véhicule, refus d'obtempérer, et donc il a en tout et pour tout, si je me trompe pas, attendez, 1125 euros d'amende. D'accord. Bah allez-y, donnez-moi la somme, je vais. Alors, quittez pas.
C'est bon, monsieur l'agent? Oui, ça doit être bon, pas de souci. Alors, donc là, il est en prison jusqu'à 23h15. Donc, à 23h15, il sera devant le commissariat si vous voulez venir le rechercher. Ouais, je vais. Dites-lui que je viens le chercher. Qu'il n'a D'accord. pas à s'inquiéter et que voilà. On va le Ok, très ramener bien. à. Pas de souci, monsieur Ajax. Eh bien, écoutez, Passez bah, une je vous bonne remercie. soirée, mais. Merci, à vous aussi. Et bien entendu, monsieur Ajax, je répète bien. Si la prochaine fois vous avez besoin de nous ou quoi que ce soit, soit vous patientez dans la salle d'attente, soit vous nous appelez sur le 911. Mais en aucun cas, vous avez droit, enfin, vous n'avez pas le droit de D'accord. passer la porte qui est derrière vous. D'accord? D'accord. Ok. Ça Je. marche. Excusez-moi. Y a pas de souci. Bonne soirée, C'est monsieur clair. Azax. Merci, au revoir. Bonne soirée, mais. Merci à vous aussi. Le mec en garde à vue, il est sourd ou quoi? Non, je pense qu'il a dû s'absenter un petit peu, ne vous inquiétez pas. Ok. Je vous explique un peu quelle est. Donc, comme vous avez pu voir, on a donc arrêté la personne en délit de fuite là. Ce qui est tout à fait Ouais. bizarre, c'est que ces monsieur-là, c'est lui qui règle l'amende pour la personne. D'accord? Ouais, il doit se connaître alors. Voilà. Donc, excusez-moi, parce que j'aime pas trop quand j'écris sur le chat comme ça, c'est strictement interdit qu'elle est. Ouais. D'accord? Donc, du coup, la personne est en taule jusqu'à 23h15. Et En garde à vue. voilà, il est en garde à vue. Et du coup, c'est monsieur-là qui vient de sortir du commissariat. C'est lui qui règle l'amende pour lui, mais ils ne se connaissent pas. Enfin, ils allaient pas là, c'était un peu bizarre. D'accord? Ouais, c'est trop bizarre, quoi. L'autre, il paye. Alors, monsieur qui vient de sortir prétend qu'il le connaît, qu'il était médecin, voilà, mais qu'il ne se rappelle plus du nom de la personne que nous avons arrêtée. Et la personne que j'ai arrêtée, il ne connaît pas du tout. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai, ouais, il se couvre. Ok. Donc, je retourne voir le détenu là. Et puis, bah, vous faites comme vous voulez. Soit vous faites une patrouille, soit vous tapez votre rapport par rapport à la dépanneuse. Pour que les Montenegro soient payés par le gouvernement. Ouais, c'est Montenegro et il y a eu des petits soucis de crochetage et paye. Ok, bah vous faites un petit rapport là-dessus et moi je ferai le mien de mon côté. Ou sinon Ok, je. bien Ouais, entendu. vous embêtez pas, Cadet, je taperai tout, n'inquiétez pas. Ne Ok, m'embêtez pas, ok. Cadet. Là il y a une camionnette. Tout à l'heure, j'avais vu une Porsche derrière qui partait en trompe. Quoi, et j'ai pas réussi à la rattraper. Quel genre de Porsche? Une Porsche noire. Qui était juste derrière le commissariat de police. C'est pas ça qui était devant le commissariat là? J'ai pas fait gaffe là. Que vous allez faire, Calais? Salut Free, comment tu vas? Calais, ce que vous allez faire, excusez-moi, j'avais un coup de fil. Vous allez monter dans votre véhicule. Ouais. Et je sais pas trop à quel niveau, mais mettez-vous au niveau du parc. Là, il y a la banque. Et vous surveillez la voiture noire. D'où elle arrive et quand elle va repartir du commissariat. Au niveau du parc où la banque numéro je sais plus combien, 5 Ouais, voilà, ou... ouais, là où on va souvent, quoi. Ok. Parce qu'il va falloir essayer de suivre au maximum cette voiture noire. Ça me paraît quand même assez bizarre. C'est pas que je vais me répéter, c'est mieux en tant que civil, avec une Ah, voiture mais balisée. arrêtez avec le sac, Cadet. Vous allez vous faire taper sur les doigts, Cadet. Bah pour faire de la friture, ce serait mieux. Comment vous dites, la friture? La filature, pas Filature, la oui, c'est. friture. Ah, Cadet, vous avez dit friture, Cadet. Attention, Cadet. Non, 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 non.
De toute manière, pour faire une filature, si vous roulez vite derrière eux, même en étant civil, ils vont vous voir et c'est mort. Donc il vaut mieux rester entré. Je vous demande pas de le suivre jusqu'au bout. Ok. Et petit à petit, on va y arriver à remonter jusqu'à eux, quoi. Là, il y a Ouais, une. Allez voir la voiture rouge, là, ça me paraît bizarre, là. ok. Ouais, je pense que ça va Ok. partir quand même d'arrive. Ouais, je pense, ouais. Monsieur Kitarchi. Goffe 4 ici, Goffe 3. J'écoute. Là, je suis au parking qui est juste à droite du commercial police. Le véhicule est rentré à l'intérieur du parking. Ok. Je l'ai bloqué l'entrée. Ouais, mais bloqué sans raison. Ne bloquez pas le passage, parce qu'après, il n'y a pas de raison. Voilà, la personne elle peut circuler comme elle veut. Ah, désolé, monsieur, je viens de revenir. Oui. Restez, surveillez, essayez de voir la voiture noire. Oui, Ou monsieur. alors. Attendez, quittez pas, monsieur Kidarchi. Ou alors, ce que vous faites, Ok. Cadet, c'est que vous. Mettez-vous à notre parking à nous. Là où on récupère notre véhicule de fonction. Vous mettez là. Il n'y a rien en marche arrière. Vous cachez le maximum dans votre voiture. Et dès que monsieur Kitarchi monte dans un véhicule, vous allez voir le monsieur Kitarchi a un pantalon noir avec un pull rouge. Enfin, la voiture, j'en train de la suivre là, Voilà. la Et rouge. Allez. voilà. Monsieur Kitarchi, donc la personne a réglé votre amende, d'accord? Ah, faut que je vais aller le voir. Ouais, vous allez y aller le voir tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Donc apparemment il va vous attendre devant le commissariat. D'accord. D'accord. Mon instinct me dit que ça c'est un petit peu louche cette histoire parce que vous le connaissez pas et lui il vous connaît pas et il vient vous récupérer, il paye l'amende pour vous. Je sais pas pourquoi mais ça me paraît très très bizarre cette histoire, monsieur Kitarchi. Ah oui, je D'accord. trouve ça aussi un peu bizarre. Ah, vous aussi? Vous avez peut-être connu, Goffe peut-être, 4 ici, je Goffe sais 3. pas. Connu peut-être, je sais pas, je sais pas. Attendez, quittez pas. J'écoute. La voiture, la Ferrari rouge, elle tourne souvent autour de l'hôtel de police. Eh bah, arrêtez là, faites un contrôle. Donc, monsieur Kitarchi, je vais pas tourner autour du pot. Ah, je suis sorti. Oui, vous allez sortir, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous voulez travailler avec moi? À la police? Non, non, oui, vous n'allez pas être à la police. Mais Ah, oui, j'ai compris, je travaille avec vous en médecin, quoi. voilà, ok. Vous avez bien compris ce que je voulais. Oui. D'accord. Parce que moi, je vous dis honnêtement, monsieur Kitarchi, j'ai pas du tout confiance en cette histoire-là. Je sais pas d'où il sort cette personne-là, vous vous connaissez pas et voilà, il arrive comme ça de nulle part. Il souhaite régler votre amende, tout ce que vous voulez, donc ça me paraît un petit peu louche tout ça. Ah oui, mais je vais aller le voir quand même, on verra. Je sais D'accord. pas, on verra. Ok. Vous avez mon numéro ou pas? Non. Je Oui. vais donc ra taper un rapport. Je vais expliquer votre histoire personnelle par rapport à votre femme, bien entendu. Si jamais il y a quoi que ce Oui. soit, d'accord. Si jamais il y a quoi que ce soit avec votre femme, n'hésitez pas à revenir au commissariat pour porter plainte contre votre femme. D'accord. Oui, il n'y a pas de souci, monsieur. Et ensuite, pour ce que cette histoire qui va suivre, faites très très attention à vous. Pourquoi il est chelou, le monsieur? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, monsieur Kitarchi. Mais pour ma part, ça me paraît très 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 bizarre. D'accord? D'accord, je vais me méfier. Ok. Eh bien écoutez, vous êtes libre, monsieur Kitarchi. Il est 23h15. Ah, je vais sentir l'air. Allez-y. Ouf. Prenez votre temps, prenez votre temps. C'est pas la peine de courir, monsieur Kitarchi. On a tout le temps, vous savez. Surtout, pensez bien à aller vous procurer de la nourriture, monsieur Ketarchi.
Ah oui, t'inquiète pas. Voilà, je crois que monsieur vous attend devant. Ah oui, d'accord. Je vais sentir de l'air. Oh, puis une neige. Sergent. Je vous écoute, Calais. Ouais, quoi, il est très en colère pour que je le suivais. Il n'était pas très content que je le suivais. C'est le monsieur que vous avez contrôlé tout à l'heure. D'accord. Et le truc était là, il veut nous mettre en procès pour qu'on le suivait, pour arrestation non. Sans motif, tout ça. D'accord. Il y a une autre personne qui arrive, je pense que vous pouvez aller voir si vous voulez, Cadet. Monsieur, bonjour. Bonjour, sergent. Monsieur le Duc. Oui, c'est ça. Comment allez-vous? Bien et vous? Oui, ça va, merci. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Oui, c'est vrai. J'étais en Bah, vacances. en ce moment, mon métier est un peu bloqué, donc. Ah, c'est-à-dire? Bah, on peut pas prendre notre service. Tout le monde est en grève. Ah, d'accord. Ok, je comprends mieux pourquoi alors. Donc c'est pour ça qu'il y a une pénurie de médecins. Hein. Si vous ne voyez pas de médecins à Los Santos, c'est parce que tout le monde est en grève. D'accord. C'est votre véhicule qui est devant là? Oui, c'est mon véhicule personnel. Joli. Merci, merci. Vous êtes pris quoi, monsieur le duc? De quoi? Vous êtes pris quoi comme véhicule là? Genre que on dirait un genre de Mustang, non? Ouais, c'est une Dominator, une D'accord. muscle, une voiture muscle. D'accord, très bien. Faites attention avec, hein, n'appuyez pas trop sur le champignon, monsieur le duc. Ah, c'est vrai qu'elle pousse, mais ça va. Parce que moi aussi je pousse, hein. Hey boy. Ouais, c'est bien, c'est parfait. Et Je vous, vous. votre voiture? La mienne, ouais, ça va, pas trop mal, ça marche, c'est sympa comme voiture. Bon, malheureusement, j'ai pas l'occasion de m'en servir beaucoup parce que je suis très, très, très souvent en service, donc du coup, je suis tout le temps avec ma voiture de fonction, mais bon, elle marche bien, j'aime bien. Et les voitures de fonction, elles roulent aussi, hein? Ça avance? Ça, vous voyez, ça va, ça pousse pas trop mal. Nos véhicules ont été reprogrammés là et ça va, ça pousse pas trop mal. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça sera beaucoup Vous mieux. avez réussi à... Ouais, vous avez réussi à les monter en pointe ou pas? En pointe, ouais, on a demandé un peu plus de couple pour le départ et un petit peu de vitesse de pointe. Ah, c'est cool ça. Ouais, puisque là ça avait un petit peu de besoin quand même, hein. Est-ce que vous avez déjà eu des courses-poursuites qui n'arrivent pas, qui n'est pas abouti en fait? Ouais, voilà, tout à fait. Et là, justement, j'ai eu l'occasion d'avoir une course-poursuite là contre un individu qui, je sais pas pourquoi, est-ce qu'il lui est passé par la tête, mais bon, j'ai pu le rattraper. Voilà, il a été neutralisé, mis en prison, et voilà. Et bien pratique. Ouais, donc ça va beaucoup mieux alors avec votre voiture de fonction. Oh oui, tout à fait. Ce sera beaucoup mieux, oui, comme vous dites. Cadet, n'hésitez pas à faire la patrouille, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ouais, il n'y a pas de souci. Hein. Monsieur le Duc, je m'excuse, mais je dois aller taper mon rapport là, avant que. Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Non, moi je vais aller. Ok. Ça marche. Et alors, faites attention à vous sur la route, monsieur le Duc. Et pas d'abus, hein. Vous y allez. Oui, d'accord, merci. Ça marche. Oui, pas de problème. Ok, ça marche, docteur. Merci beaucoup. À bientôt.
Ouais, bah, vous serez prévenu si quand la grève des médecins sera terminée. D'accord, ouais, ça marche, pas de soucis. Ça me fera plaisir de le savoir. Ouais, ok, pas de Ok, problème. ça marche. Merci, au revoir. Bah, travaillez bien, au revoir. Ouais, on va essayer. Monsieur, bonjour. Bonjour, je voudrais savoir le nom de votre cadet, s'il vous plaît, car j'ai pas trop aimé la façon des méthodes qu'il a entreprises. C'est-à-dire, dites-moi Et du tout. coup, je demande tout simple. Oh, vous inquiétez pas, pas grand-chose, mais je veux juste, je voudrais avoir son nom pour comment dire, pouvoir faire mes affaires et pouvoir contacter mon avocat parce que j'ai pas trop apprécié ce qui s'est passé. Alors, monsieur, je vais pas vous donner son nom, mais si vous voulez porter plainte ou quoi que ce soit, vous dites le cadet et par rapport à la date et aux heures de service, ne vous inquiétez pas, on le saura qui. D'accord, c'est wow. Et je crois Le qu'il y en a un qui est week-end vient de passé. passer, là, tout à l'heure. Ouais. Ah ouais. Du coup, oui, d'accord. Vous avez qu'un seul cadet, c'est bien cela. Pour la soirée, pour le moment, oui, il n'y a qu'un seul cadet, donc ne vous inquiétez pas, on le saura qui. D'accord, parfait. Bah, merci beaucoup, monsieur. Monsieur qui? Appelez-moi sergent. D'accord. Vous êtes le seul sergent? Pour l'instant, Ou il y oui. a d'autres. Il Vous y en êtes a d'autres, il y en a d'autres, le il y en a top du d'autres. top ou. Ah, je sais pas si je suis le top du top, D'accord. mais je pense pas, mais bon. Là, c'est bizarre de ne pas connaître la hiérarchie de la police, hein. Il y a tout simplement un Et du coup. commissaire. Si vous connaissez la hiérarchie, il y a un commissaire ou une commissaire, deux sergents, deux cadets. Je voulais tout savoir. D'accord. Ok. Voilà. Bah merci pour ces informations, sergent. Et Ça du marche. coup, je vais vous laisser. D'accord. Passez une bonne Merci, soirée. monsieur Ajax. Merci, au revoir. Y a pas de quoi. Bonsoir, monsieur Macadam. Bonsoir Sergio, hop, excusez-moi, j'ai failli vous écraser. Non, pas de problème. C'est que vous êtes un pilote. Ah, attendez. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Salvatore. Comment allez-vous ce soir? Très bien, vous. Bonsoir, ça Monsieur. va, impeccable. Je Je vais suis à peut-être vous de rendu. suite, j'ai fini avec monsieur l'agent et je suis à vous de suite, monsieur Salvatore. D'accord, ça marche. Merci, N'hésitez pas monsieur si j'ai. Savala. Sergio, les véhicules que vous avez en démonstration tout à l'heure dans la journée là, Oui? Vous l'avez vendu à quelqu'un ou pas? Non, non, c'est des voitures. J'ai vu ça avec monsieur du gouvernement. C'est les voitures qui spawnent dans un endroit en fait et je les ramène juste pour les faire la démonstration. Mais si cela gêne, je peux arrêter de suite. Non, Ça non, ne me non, non, dérange non, pas. non, 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 pas du tout, Sergio, pas du tout. C'est juste que je suis sur une affaire assez spécifique là et justement la personne était à bord de ce véhicule là, donc c'est pour ça que je voulais savoir si vous l'avez vendu, Ah, si vous avez un d'accord. Non, nom, non, je n'ai pas si. vendu. Alors, je n'ai pas vendu ce véhicule-là, je ne le vends pas. Et comme on dit, c'est juste des véhicules d'exposition. Donc, pour que les gens viennent au garage et que ça leur donne envie d'acheter des véhicules. Mais on n'est nullement vendu à des personnes de Los Santos. Donc, comme j'ai D'accord. dit, si vous voyez des personnes avec, automatiquement, c'est que. Ils ont dû, à mon avis, voilà quoi. Donc on est bien d'accord qu'ils ont volé le véhicule. Madame. Oui, Rames. Ouais, donc le véhicule, c'était lequel? Le véhicule rouge, c'est ça? Ouais, c'est ça, Oui, le je véhicule vois de votre sport badge. rouge. Le véhicule de sport rouge. Ah, celui qui vient de passer juste à l'instant là. Ouais, D'armée. j'ai même pas fait attention. Ouais, j'étais en train de vous Si, bah, regarder. il vient de passer juste à l'instant derrière moi. Là, je viens d'entendre la voiture, il est passé tout doucement.
D'accord. Donc... sur la droite. Ok, donc vous confirmez, Sergio, que pour avoir ce véhicule-là, il faut le voler, tout quoi. À fait. D'accord. Voilà, tout à fait. Ok, ça marche. Tout à fait. Bon bah, je vais continuer mon rapport. Bah, moi, merci beaucoup. Je projette à un endroit que je l'amène au garage et je le ferme directement et personne ne peut le prendre jusqu'à temps que je m'en vais de Los Santos ou quoi. D'accord. Et vous pouvez m'indiquer l'endroit ou pas, Sergio, ou c'est vraiment secret? Non, non, je peux vous le dire sans problème. Venez, je vous mets un point dans votre voiture. Ouais, s'il vous plaît, ouais, Sergio. Alors, c'était fait exprès justement pour qu'on... Ouais, ouais, non, mais y a pas de souci, Sergio. Bien entendu, vous inquiétez pas, ça va rester secret dans ma voiture et puis, ok, ça marche. Voilà. Ok, bah, je vais aller voir ça et puis. Merci beaucoup, Sergio. Merci beaucoup. Pas de problème, pas de problème. Ça marche. Bon courage. Merci et puis bonne soirée à vous. Ouais, okay, ça marche. Sergio, je pars en intervention. Merci, Macadam. Ok, au revoir, okay. Ok, merci. Mais au revoir Ahmed, merci. Golf 4 pour Golf 3. J'écoute. Vous êtes en patrouille? Là, mon véhicule de service qui est à despawn, quoi. Là, il est donc au milieu de la route, quoi. J'ai appelé le dépanneur. Ok, ça marche. Ouais, ils arrivent, ouais, j'étais avec j'ai la Ferrari qui tourne vachement vite au niveau du garage civil. Ouais, je confirme. La Ferrari rouge. Vous l'avez aperçu où, Golf 4? Il fait des va-et-vient devant un garage civil. Ah, si. Là, il est parti vers le sud, là. En direction le sud. Ok. T'as réussi à t'en connecter, Gran ou pas? Bah non. Ok, ça gère un peu. Toujours que je suis pas au whitelist. Et puis là, elle me répond pas, Ellie. Okay. Je sais pas, mais. Ok, merci. Merci, Romain. Je sais pas, mais je crois que c'est. Je le sens pas très bon. Merci, de même. Bon. Et j'ai des doutes avec les deux gars que j'étais dans le jeu tout à l'heure. Ah non, 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 non. Non, non, c'est qu'il joue. Il joue un putain de jeu là. Ah, non, non, toi, tu crois rien avec eux. T'as peur qu'ils t'aillent pirater ton PC? Ah, Galen. Ouais. Non, 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 franchement, non, pas du tout. Non, non, puisque le mec là. Ouais, non, non, le mec il joue à un putain de jeu là, c'est. Non, non, franchement. Je relance mon stream. Salut, Forblade. Forblade Gaming. C'est bizarre que j'ai pas le retour.
Golf 4 pour Golf 3. J'ai en chasse la Ferrari rouge. Je répète, j'ai en chasse la Ferrari rouge. Partir en direction du nord. Je répète, partir en direction du nord. Reçu. La Ferrari prend l'autoroute. Je répète, elle prend l'autoroute. Ça va être très 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 compliqué. La Ferrari est toujours sur l'autoroute. Oh, et un CV m'a coupé la route. Je répète, un CV m'a coupé la route. La Ferrari nous nargue. Je répète, la Ferrari nous nargue. Pas de facecam, non, pas pour GTA. Golf 3 pour Golf 4. Oui, j'écoute. J'ai abandonné la poursuite, j'ai perdu de vue. Je répète, j'ai perdu de vue. Ok, mais reçu. Golf 4 pour Golf 3. Oui, j'écoute. Tout à l'heure, vous avez contrôlé la voiture rouge, on est bien d'accord? Ouais. Ferrari. Oh, et vous avez pu récupérer le nom de la personne ou pas? Elle est en face de moi. Elle descend dans le sud. Ouais, mais oui. Moi, je suis commissariat. Allez-y, prenez chasse, mais à mon avis... J'ai percuté la voiture. Merci. Elle est repartie vers l'autoroute au nord. En direction du nord? Ouais, ouais. Là, on remonte, on remonte, on remonte. Vous êtes sur l'autoroute entre la mine et le commissariat. Ah, redescend, redescend, redescend. J'ai reçu, je l'ai en visu, je l'ai en visu. Je répète, je l'ai en visu. Elle retourne au centre-ville, je répète, elle est partie au centre-ville. Elle passe devant la banque habituelle, je répète, elle passe devant la banque habituelle. J'ai reperdu de vue. Je pense qu'elle va reprendre l'autoroute. Mettez-vous en code 2 pour rester discret au cas où. Je l'ai. Elle est en face de moi. Moi aussi, je suis derrière vous. Elle reprend l'autoroute. Je suis derrière vous, Golf 4. Je pense qu'elle va refaire mi-tour, elle va reprendre sens inverse. Je l'ai en visu. J'ai perdu contact avec la voiture. Je répète, j'ai perdu contact avec la voiture. Ok, merci.
Allez-y, continuez, Golf 4, continuez, je vais rester en planque là. Golf 3 pour Golf 4. Oui, j'écoute. Je suis retourné en centre-ville. Ok. J'ai fait une mi-tour au niveau de la mine, je l'ai pas retrouvé. Golf 4 pour Golf 3, individu en 4x4 noir, je répète, individu en 4x4 noir, prend beaucoup de risques pour s'évader. Il est en train d'escalader la montagne. Je peux rien faire, il est complètement à l'opposé de moi. C'est du grand, grand n'importe quoi, je répète, c'est du grand n'importe quoi. Fin de service pour Golf 3. Bon courage Golf 4. Ok, merci. Surtout, ne prenez pas de risques et faites bien attention à vous, Golf 4. Hein. Moi, je pense que j'apprends fin de service aussi. Ouais,